Palestine, Aswad, Maïdan el-Bahth. Palestine, terrain sonore, l'entretien. Saison 2, épisode 8, écrire une histoire décoloniale de la ville de Gaza, avec Aber El-Saka et Clémence Vondriès. Je suis né à Gaza dans les années 70, dans la ville de Gaza. Comme vous savez, donc, on dit la bande de Gaza qui est composée de plusieurs villes. Moi, je suis né dans la ville de Gaza elle-même. Aber El-Saka a publié en 2018 un ouvrage intitulé « Gaza, une histoire sociale sous le mandat britannique ». Le premier maire de la ville de Gaza, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Via l'histoire familiale, les gens en parlent. Son livre fait partie d'une collection de l'Institut des études palestiniennes consacrée à l'étude des villes de Palestine. Car Gaza, en réalité, avant 1948, représentait à peu près 51% de la superficie administrative de la Palestine. Autrement dit, le Liwa de Gaza, qui est devenu bande, d'ailleurs l'appellation de bande de Gaza, et vient de les Égyptiens. Cet ouvrage en arabe a permis de réintégrer Gaza dans l'histoire palestinienne, de recentrer le regard sur un espace marginalisé par les politiques et les médias. Gaza possédait 156 villages, étalés de Rafah, à l'intérieur de l'Égypte, de l'Arish, jusqu'au Beit Jibrin, dans les montagnes de Hébron. L'accès au terrain gazaoui étant souvent impossible, Gaza devient une note de bas de page. Gaza n'est pas inclus dans cette étude car il n'a pas été possible de faire du terrain là-bas. Or, Gaza n'est pas qu'une note de bas de page, Gaza n'est pas qu'une bande. Gaza est une ville, Gaza fait société et Gaza a une histoire. Donc on parle d'une région très vaste, très verte, très fertile, très importante économiquement, et à partir de 1948, Gaza a perdu tout l'arrière-pays paysanne. Aber El-Saka nous propose une trajectoire temporelle de 1893 à 1948 qui marque la fin du mandat britannique sur la Palestine, la fondation de l'État d'Israël et la Nakba pour les Palestiniens. Mais sa démarche n'a rien d'évident en raison de l'accès à la bande de Gaza et de ses archives. Un accès extrêmement restreint depuis le blocus de 2006 par l'État israélien. Actuellement, par exemple, je souhaite d'aller à Gaza pour continuer mes recherches, faire des entretiens avec surtout les générations qui ont vécu la période de 1948 et la période nassérienne et égyptienne de Gaza. Et malheureusement, je n'ai pas, l'autorisation pour y aller. Puis, côté égyptien, ils ferment les frontières pour des raisons sécuritaires, enfin, soit des raisons sécuritaires. Proposer une histoire gazaoui est donc un véritable défi. Dans les mois à venir, je veux aller à Gaza pour faire des entretiens. Actuellement, j'ai des assistants de recherche qui collectent certaines données, dont celle de la mairie de Gaza. Les entretiens par le chercheur lui-même sont d'une source importante. Il y a toute la connaissance que j'ai possédée par par la transmission familiale, par mes parents, mes familles, qui vont me permettre de mieux identifier les acteurs, mais aussi le lieu, les changements, parce que j'ai vécu une bonne partie de ma vie dans cette ville. Quand est-ce que tu as été à Gaza pour la dernière fois ? Il y a 5 ans. Et je souhaiterais revenir prochainement. J'ai grandi sur place jusqu'à le baccalauréat, et puis je suis parti à l'étranger. En rentrant il y a 2 ans en Palestine, après un long séjour en France et ailleurs, j'ai décidé d'explorer ma ville natale, mais d'un point de vue sociologique. Gaza était toujours considéré comme le lieu de nationalisme, un lieu important pour le nationalisme palestinien. C'est là où est né d'ailleurs le nationalisme contemporain, la résistance armée. Et souvent, les gens sont intéressés par les aspects politiques. Et je trouvais que Gaza était en dehors des études scientifiques sur l'histoire sociale. Pour expliquer l'arrivée des Britanniques, il fallait remonter un peu dans l'histoire et expliquer la composition de Gaza politiquement et économiquement. Vous commencez en 1893, donc c'est le point de départ. Est-ce que cette année a un sens historique particulier ? Ou est-ce que vous avez choisi 1893 en raison de l'absence d'archives antérieures ? Non, j'ai choisi cette date parce qu'elle est liée à la composition d'un nouveau conseil municipal de la ville qui a été dirigé par un notable de Jérusalem qui s'appelle Mustafa Al-Alami, qui est le premier maire de Gaza.
Comment est-ce qu'on pourrait définir l'histoire sociale d'une ville? Ça nous permet de comprendre le lien avec l'arrière-pays, avec les paysans, mais aussi comprendre la logique avec deux autres villes palestiniennes importantes, surtout les villes côtières. Donc réfléchir sur l'urbanité de Gaza, ça m'a permis de couvrir un tissu urbain assez particulier à Gaza qu'on ne trouve pas ailleurs. Et comment est-ce que tu définirais la spécificité de ce tissu urbain à Gaza par rapport aux autres villes de la région? En 1927, on a eu un nouveau maire à Gaza, qui s'appelle Fahm el-Husseini, qui est en réalité le père fondateur de la ville moderne de Gaza. Avocat de formation, Fahm el-Husseini a décidé de moderniser Gaza. Et d'ailleurs, de point de vue architectural, Gaza, c'est la ville palestinienne la plus planifiée depuis 1927. Autrement dit, les rues à Gaza ont été numérotées depuis 1954, une pratique assez rare dans les villes palestiniennes. Gaza possédait des trottoirs depuis 1927. Et Gaza possédait aussi la plus grande parc qui existe encore de Palestine, qui s'appelle Montaza Rimal. Toute la reconfiguration urbaine de la ville de Gaza, moderne, tient de cette période de la gérance de l'ex-maire de Gaza, qui a fait appel à des architectes. On a eu un architecte italien qui a modernisé certains plans. Et souvent, les gens ils pensent que c'est les Britanniques qui ont modernisé la ville, mais en réalité, en fouillant les archives, c'est plutôt l'élite locale qui, avec l'aide des hommes d'affaires palestiniens. Et c'est intéressant de se demander sur quel modèle en fait ce maire s'est fondé, parce que certains architectes venaient d'Europe. Comment est-ce qu'il a eu cette idée de moderniser de manière assez volontaire sa ville? Est-ce qu'il a été formé à l'étranger? Est-ce qu'il avait beaucoup lu? Est-ce que c'était juste des idées qui étaient aussi diffusées de manière régionale? Je pense qu'il a emprunté le modèle de Tanzimat turc, eux aussi, ils ont emprunté certaines modernisations européennes. Tu as parlé de Tanzimat. Est-ce que tu peux définir? Les Tanzimat, c'est un mot qui vient de l'arabe, mais dans le sens turc, ottoman, veut dire organisation. Donc, moderniser l'État ottoman, repenser la bureaucratie ottomane, améliorer le lien entre Istanbul et les provinces arabes et d'autres provinces, et tenter de mieux gérer les taxes, l'urbanisation, etc. Donc le modèle de Tanzimat a une sorte de réforme sociopolitique et économique. Fahm el-Husseini était formé à Istanbul et il avait aussi consulté ses collègues de Haïfa et de Jaffa. Et puis souvent, ils font la discussion entre eux, puisque Gaza organisait des rencontres avec les maires souvent. Et comme l'idée derrière de Fahm el-Husseini est de protéger Gaza de projets d'implantation de colonies juives dans le faubourg, comme Gaza était concentré dans les anciens quartiers, autrement dit de Shijaïa, de Daraj et de Centre, il avait l'idée d'étaler la ville vers ce qu'on appelle Rimal, c'est-à-dire vraiment les sables, il n'y avait que des sables, entre cette partie de la ville et la mer. Et donc, il a fait un plan pour moderniser cette partie. Puis, il a adopté une politique d'encouragement. Il disait aux habitants de la vieille ville de Gaza, si vous partez dans cette région, vous pouvez acheter au crédit. Il a encouragé avec un système d'entraide, mais aussi de la facilité d'achat, d'acquisition. D'ailleurs, le noyau urbain moderne de la ville vient de cette période, qui est d'ailleurs le quartier qui est resté jusqu'à maintenant le quartier chic de Gaza. Au début, le maire a fait un plan pour améliorer l'arrivée d'eau courante dans les maisons, parce qu'il n'y avait pas dans les années 20.
réorganiser l'arrivée de l'électricité et puis tenter de créer de nouveaux de grandes rues pour mieux gérer, mieux contrôler dans le sens haussmannien. Et il a eu une résistance farouche parce que l'habitant ne souhaitait pas. Et comme il possédait des terrains de la ville ailleurs, il avait toujours l'idée de compenser les habitants pour leur dire on peut vous déplacer ailleurs. On a eu une mobilisation sociale et politique, géographique, qui a permis à la ville de changer de nature. L'archive nous montre qu'il y a eu des manifs, par exemple, dans la vieille ville d'Arraj, et Fahm al-Husseini a dit aux habitants, écoutez, soit on laisse la vieille ville sans accès difficile. Avec l'arrivée des voitures, les habitants étaient convaincus qu'il faut de routes plus grandes pour que ça circule. Mais est-ce que la création de nouveaux quartiers à l'extérieur a renforcé la ségrégation sociale ou alors a créé carrément de nouvelles inégalités, avec par exemple toute l'élite bourgeoise par exemple s'installant dans un seul quartier et peut-être des classes plus ouvrières et paysannes dans d'autres quartiers? Non, on n'a pas eu cette configuration pour les raisons suivantes. Tout d'abord, la vieille famille palestinienne est restée sur place. Par contre, on a eu un effet générationnel. Autrement dit, les parents restaient dans la vieille ville avec leur statut, leur belle maison ancienne. Et puis les autres sont partis acheter des terrains à Rémal qui viennent de leur propre nouveau statut, autrement dit la nouvelle élite. Tu utilises le terme de colonisation. Donc aujourd'hui, les chercheurs et les chercheuses s'accordent à utiliser ce terme aussi pour analyser et expliquer comment Israël occupe la Cisjordanie. Mais comment analyses-tu les différentes occupations de Gaza entre 1893 et 1948? Est-ce qu'on peut comparer l'occupation de l'Empire ottoman et celle de l'Empire britannique? Est-ce que ces deux empires ont eu le même effet politique et économique sur Gaza? Non, tout d'abord, les Ottomans ont resté 4 siècles, donc la durée historique plus importante. Deuxièmement, les Ottomans faisaient partie de la grande dynastie arabo-musulmane, c'est-à-dire c'est la dernière calife, la dernière khilafa. Et puis les Ottomans, durant les deux premiers siècles, instauraient un système très efficace, les villes arabes profitaient pleinement, il y avait une sorte de... d'un système de zemmah, un système de cohabitation sociale et économique. C'est durant la deuxième période ottomane où une bonne partie de la population arabe se sentait un peu trahie par cette domination ottomane, et avec les arrivées des Turcs, enfin des Turcs-files, et puis le mouvement Atatürk, il y a une augmentation des taxes et puis la montée du despotisme, mais aussi certains massacres contre les minorités chrétiennes qui étaient plus ou moins abandonnées par les Ottomans. Pour cette raison, les Palestiniens à l'époque imaginaient que les Britanniques défendaient l'idée qu'on va les aider pour créer un État arabe ou un royaume arabe. On a eu la même attitude ailleurs aussi, au Liban, en Syrie. Les gens pensaient que les Britanniques ou les Français ils vont les aider juste pour débarrasser des Ottomans. Ce qui était théoriquement le cas. Ils avaient un mandat, c'est-à-dire qu'ils étaient mandatés par la Société des Nations pour aider une région occupée à devenir un État indépendant. Moi, personnellement, bien sûr, je dénonce cette idée de mandat et j'explique dans l'ouvrage qu'il ne s'agit pas d'un mandat, mais plutôt d'une colonisation. Contrairement à d'autres collègues qui ont publié des ouvrages sur les villes palestiniennes sur cette période de l'appeler Entedab, mandat, moi, personnellement, j'argumente dans l'ouvrage qu'il s'agit d'une colonisation. J'explique le type de colonisation parce que ce n'est pas une colonisation de population. Par exemple, dans les débats, le mandat devrait
avoir un accord de mandaté. La France, ou les Britanniques, ou les Portugais, enfin les Espagnols, devraient demander ou mandater leur accord. On va vous dire, par exemple, aux Palestiniens, on va venir vous mandater pour vous aider. Et si jamais c'était le cas, donc le colonisateur décide qu'on va vous aider parce que vous êtes... C'est déguisé en acte démocratique. Et puis là, le mandat devrait normalement aider le pouvoir local à se auto-gérer avec une amélioration de leur... Alors que les Britanniques, ils ont tout changé. Changé les lois, changé le système économique, modifié la topographie, modifié l'architecture. Mais aussi, ils arrivaient avec un autre projet colonial. C'est-à-dire qu'on va aider les Arabes à créer un État arabe. Ils arrivent avec un autre projet pour créer un État colonial. C'est-à-dire que, comme il dit Nadine Bikoudou, sans la colonisation britannique, Israël n'a jamais existé. Quelque chose d'assez frappant, si tu te balades dans la vieille ville et tu vois par exemple des monnaies palestiniennes anciennes, et frappées en hébreu, alors que ce n'est pas une langue locale, quoi. Enfin, il y avait une... Il y avait quelques milliers de juifs qui ne parlaient pas hébreu à l'époque. Donc, parce qu'il y a une minorité juive, donc il faut écrire en trois langues, par exemple. C'est-à-dire que l'administration britannique est devenue la mise en œuvre de projets sionistes. Pour revenir à la question initiale, on a eu la colonisation britannique, ensuite on a eu la colonisation israélienne. Si on compare les trois, les Ottomans, pour certains, les considèrent comme empire arabo-musulman, donc une sorte de continuité historique de califat. Pour d'autres, ils le pensent que c'est une autre forme d'occupation, donc les avis sont partagés. Il y a très peu de gens en Palestine qui pensent qu'il s'agit d'une colonisation. Certains historiens, bien sûr, surtout de nationalistes arabes, ils ont du mal à les qualifier. Et ça, un débat plutôt de Machrek, parce que les Maghrébins considèrent les Ottomans comme une sorte de continuité historique arabo-musulmane. Nommer Israël comme juste un état d'occupation, comme ils font certains élites palestiniens, c'est déformer la nature de conflit entre les colonisateurs et les colonisés. Puisque si on nomme Israël comme un état d'occupation seulement, il s'agit d'un conflit. Alors ce n'est pas un conflit. Nommer Israël comme l'état d'occupation, c'est de mettre Israël à même niveau que la présence américaine en Irak ou en Afghanistan, c'est-à-dire une force étrangère. Et on oublie qu'il s'agit d'un État colonial qui a occupé 78% de la Palestine historique qui est devenue Israël. Et utiliser le terme colonial permet aux chercheurs de mieux saisir la sortie, autrement dit, du point de vue politique. C'est-à-dire que s'il s'agit d'une colonisation, donc la solution devient la décolonisation. La décolonisation qui veut dire que les habitants de cette région vivent ensemble en dehors de cette entité politique, à la place d'imaginer la solution des États qui n'est plus d'actualité, puisque Israël a confisqué la plupart des terres de 67. L'enjeu de ton livre sur Gaza est donc de remettre cette ville au centre de l'histoire palestinienne, mais aussi de replacer la Palestine au centre de l'histoire régionale et mondiale, changer du point de vue dominant des empires qui écrivent l'histoire, et donc de donner un point de vue de la région qui est gouvernée et occupée aujourd'hui. Et de cette manière, tu t'inscris, comme tu le dis, dans une histoire décoloniale. Comment est-ce qu'on écrit une histoire décoloniale ? Privilégier l'approche de bas, interroger les archives locales et donner la voix aux opprimés, donner la voix aux colonisés, d'avoir leur propre narration historique. Pour moi, en tant que sociologue palestinien né à Gaza, j'ai découvert des choses que je n'ai jamais imaginées. Par exemple, les relations entre les Palestiniens de Gaza et les réfugiés. Toutes ces choses-là qui sont souvent ignorées. Pour revenir sur le concept d'histoire décoloniale, à partir de quels outils, à partir de quels matériaux on peut réécrire cette histoire? Quelles archives, par exemple, vous avez réussi à trouver? Comment vous avez réussi à accéder à des informations qui vous ont permis de proposer une autre vision de l'histoire? Tout d'abord, moi, comme d'autres chercheurs, donc, j'ai utilisé les archives françaises et anglaises. Par exemple, la plupart des Palestiniens ont utilisé les archives anglaises parce que les Anglais étaient longtemps dans cette région. Mais j'ai découvert, par exemple, que l'archive française est très importante. Parce que dans la guerre entre la France et l'Angleterre, les Français écrivaient beaucoup. Ils faisaient des rapports sur l'avancée de troupes, sur les accords secrets
entre les Britanniques et certaines élites palestiniennes. Donc je découvre beaucoup de choses que souvent les chercheurs palestiniens n'ont pas d'accès parce qu'ils n'ont pas de... Il y a très peu de gens qui consultent liés à la langue, bien sûr, et puis liés à cette familiarité avec l'archive britannique. Deuxième source importante, c'est les waqf, les archives de Mahkama Sharia, de législation de charia musulmane. Et là, on comprend par exemple le mariage interconfessionnel, la transmission des terres, les relations entre les gens. La mère de Gaza possède un archive de tous les conseils municipaux. La ville de Gaza, par exemple, possède toutes les archives, elle n'a rien perdu. Donc c'est une matière, c'est une richesse considérable. Et puis après, bien sûr, comme tous les chercheurs en sciences sociales, c'est l'observation, c'est-à-dire souvent j'utilise les photos de famille pour voir les événements, la façon de s'habiller, parce que tous ces éléments, c'est des indices. Bien sûr que si on travaille sur une période intérieure, c'est difficile, mais c'est-à-dire dans l'observation sur le changement qui a eu le lieu. Je me demandais, est-ce que tu as fait des entretiens aussi avec des gens de ta famille ? Oui, j'ai fait des entretiens avec des personnes de ma famille. En réalité, j'ai pu accéder à certaines infos liées à mon statut social, mais aussi liées à la présence de ma famille à Gaza. Le réseau familial m'a permis d'obtenir des sources, d'avoir des archives, d'avoir des photos, mais aussi accepter pour certaines familles de Gaza de faire des entretiens avec moi. Dernière chose, comme la société palestinienne, comme beaucoup de sociétés, il y a le non-dit. Il y a certains sujets, par exemple tabous, dans les relations entre les familles. Ces non-dits, ils sont obstacles dans le sens où on ne peut pas l'écrire parce qu'il faut respecter le choix de l'interviewé. Et est-ce que tu as des exemples de sujets tabous entre familles ? Dans l'ouvrage, j'explique sur le mode de vie et de consommation à Gaza, que Gaza, il y avait dans l'imaginaire collectif, Gaza est une ville conservatrice, qu'il n'y a pas d'alcool. Gaza possédait en 1947, selon la source de la mairie de Gaza, possédait 9 bars qui servaient de l'alcool. Alors souvent, les historiens palestiniens et surtout les conservateurs, ils disent « Oh, et ça, c'est les étrangers qui consommaient, ou c'est les Australiens, c'est les Britanniques, ou les chrétiens. » Mais en réalité, les familles nous ont dit « Ben non, les étrangers étaient concentrés dans 2 ou 3 bars, mais le reste, c'est les habitants de la ville. » C'est pas l'alcool en soi qui est important, c'est toute l'atmosphère sociale, le rapport à la religiosité, via ces petits détails qui nous donnent une lecture plus fine, plus profonde de la société. Et donc en plus de l'exploitation des archives, je viens de dire en fait que tu utilises aussi la mémoire vivante de ta famille, qui t'a transmis génération après génération une certaine connaissance de Gaza. Quand tu as grandi, est-ce que tu sentais cette mémoire vivante autour de toi ? Ah oui, bien sûr. La mémoire collective en Palestine, c'est presque un corps social. La mémoire des habitants de Gaza, mais aussi la mémoire des réfugiés, parce que souvent, ils comparent leur vie actuelle avec le passé, leur terrain, leur vie dans leur village, leur statut social et politique. Donc, si vous voulez, presque la mémoire permet à toutes ces générations d'avoir une continuité sociale, d'accorder un statut aux enfants, comme quoi nous avons une terre, on n'est pas seulement des réfugiés, parce que ce statut est très dur économiquement, politiquement, mais aussi socialement jusqu'à maintenant. Sans indiscrétion, est-ce que tu pourrais décrire la ville de Gaza de ton enfance ? Une ville magnifique, pleine de verdure. Mon enfance est marquée par le séjour le vendredi dans les bayarats. Les bayarats, c'est les vergers. Les vergers, les agrumes, le vendredi dans les bayarats. La plupart des habitants, des familles de Gaza, ils avaient des vergers en dehors de la ville, à côté de Beit Hanoun. Il y avait quelque chose qui
profondément dans ma mémoire. Et ce n'est pas vraiment une piscine, mais c'est plutôt une sorte de réservoir d'eau plein de moisir, très vert. Et les familles mettaient à l'époque une sorte de quelques gouttes de chlore, de javel, pour purifier de l'eau. Et nous, on se baignait dans ce lieu. Pour nous, c'est ce vendredi-là qu'ils étaient presque rhétoriques, c'est-à-dire répétitifs. On va tous les vendredis presque. On était chaque fois une centaine de personnes. Chaque famille arrive avec les enfants et puis on passe la musique et la mixité sociale, générationnelle et toutes les coutumes, les différents plats. Et je crois que c'est ça qui m'a marqué le plus. Et puis, comme moi, je viens d'une famille... côté de ma mère de Jérusalem et mon père de Gaza. On avait le va-et-vient, donc nous on partait à Jérusalem et eux venaient à Gaza. Et puis on avait toujours cette image de nous comme quoi une ville accueillante, généreuse. Et même si maintenant la ville n'est plus comme il était avant. Les gens de Jérusalem venaient chez nous plus qu'on inverse, alors que Gaza est considéré comme un lieu dur, difficile, mais en réalité, dans les petits détails, la ville et puis l'accès à la mer est plus agréable dans ma mémoire d'enfant. Je pense qu'on est arrivé au bout du voyage. C'était vraiment fascinant de voir Gaza revivre à travers les archives. Merci beaucoup, Abahel, d'être venu aujourd'hui. Je t'en prie. La Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3. Si j'ai un message à donner, c'est de privilégier l'accès au terrain. Le terrain nous permet de mieux comprendre, de réfléchir sur des sujets, même s'ils sont sujets anciens, mais avec un nouveau regard qui prend en considération l'histoire sociale et qui est souvent négligée au profit de l'histoire politique. Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens.